On entre tout pile dans le money time de ce troisième et dernier tour de cet Open de Saint-François région Guadeloupe. Léo Lespinasse, un peu plus loin sur le parcours, est en tête avec un coup d'avance sur Andrea Maestroni qui lui est au départ du 14 avec un drive légèrement égaré sur la gauche dans le petit rough, mais il n'y a pas donc de péril. Alors qu'on retrouve donc le leader Léo Lespinasse sur ce par 3 du trou numéro 16. Un par 3 en montée. Un peu court peut-être. Oui, il est sur la frange de l'entrée du green avec un long putt. Pas de gros péril hein, pour Maestroni qui a retrouvé sa balle et qui était plutôt bien layée. Et ce qui lui permet d'aller trouver le green. Alors il est évidemment très loin du drapeau. Ça va être un très long putt, mais un putt pour birdie sur ce long par 4 du 14 hein, qui est un par 4 difficile. Putt pour birdie pour Léo Lespinasse depuis l'extérieur du green, c'est court. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement au cours de cette dernière journée, des putts qui restaient trop courts. Putt pour birdie sur le 14 pour Maestroni. Et c'est dedans, il rejoint donc Léo Lespinasse qui dans quelques secondes va putter pour sauver son par sur le trou numéro 16. Il le retrouve donc à la première place, les deux joueurs sont à égalité. À moins 7, putt pour le par maintenant sur le 16 pour Léo Lespinasse. Ah, elle ne revient pas et c'est un bogey concédé par le leader qui du coup devient deuxième avec un coup de retard sur Maestroni. La situation ne changera plus, Maestroni rajoutera même un birdie sur le trou numéro 17. On le retrouve sur le green du 18 pour le putt final. Un putt qui lui donne la victoire 11 ans après sa dernière victoire sur l'Alps Tour. Vous n'avez plus gagné sur l'Alps Tour depuis 11 ans. Comment on réussit à garder l'envie de gagner quand on ne gagne pas pendant aussi longtemps? Un mot, la passion pour ce sport. Je crois que c'est tout. Et je me regarde en tout et je vois beaucoup de joueurs très jeunes. 20, 21, 22, 23, tu sais. C'est pas facile si tu regardes la jeunesse non, qu'ils ont, mais bah, moi, je veux continuer à jouer jusqu'à... J'ai quelque chose dedans qui me dit, ok, tu vas continuer, tu vas jouer, c'est ça. Et pour l'instant, cette petite voix intérieure, si. Internal voice, vous l'avez? Si, pour l'instant, oui.